Dans un stade du Hainaut qui battait son record d'affluence cet après-midi, l'OM avait la possibilité de gagner son 7e match en autant de journées, ce qui n'était plus arrivé depuis 1963. Valenciennes, invaincue à domicile, sans avoir concédé le moindre but, rentre bien dans cette partie. Illustration au quart d'heure de jeu avec ce bijou de coup franc de Gaël Danick, caressé de son pied gauche dans la lucarne d'un Steve Mandanda qui encaisse ici son 2e but de la saison. Le premier à l'extérieur, 1-0 pour Valenciennes. L'OM incapable de réagir, subit les assauts et l'engagement nordiste. Danick devant Sfani, il lève la tête et trouve le Talek qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 34 minutes de jeu, VA 2, OM 0. Première période compliquée pour l'OM et elle va devenir catastrophique à la 39e minute avec ce geste incompréhensible de Steve Mandanda qui rate complètement sa relance à la main. Kadir en profite et sanctionne la boulette du gardien international. À la pause, les nordistes mènent 3-0 avec 3 buteurs différents, chacun ayant inscrit leur premier but de la saison. La deuxième mi-temps voit les Valenciennois encore et toujours dominer les débats. On va retrouver Danick une nouvelle fois à la passe pour le Talek qui rate une incroyable occasion. On était tout proche du 4-0. L'OM passe complètement à côté de son match, dépassé dans l'engagement et les duels. Et sur une énième perte de balle, Kadir est libre d'amorcer une contre-attaque. Le centre pied gauche pour le Talek qui cette fois-ci s'offre un doublé. Il trompe Mandanda pour la 2e fois de l'après-midi. 63e minute de jeu, 4-0. L'OM qui n'avait encaissé qu'un seul but en 6 rencontres en concède 4 en un peu plus d'une heure. En toute fin de rencontre, Marseille sauvera l'honneur. Jordan Ayew avec cette volée parfaitement équilibrée, trompe Pento. On en reste là, 4 buts à 1 pour Valenciennes. Marseille chute pour la première fois en championnat, mais conserve la tête de la Ligue 1 avant l'attendu Classico contre le PSG la semaine prochaine.